Bandeko maloba manzambe mafungoli biso misu. Toyoki pe toyebi manso. Toyoki nalitangi ya yambo. Ndenge nzambe akeli mokili. Ndenge akeli Kongo atondisi yango na bomengo. Toyoki nalitangi ya mibale. Ye moko motaponi biso yambo te mokili mokelama. Pote tozala ba Kongole. Toyoki na sango elamu. Ndenge nini Yesu Kristu abikisi moto makolo ebukana kasi bato banei bamemiye epai ya Yesu. Lelo tozali kokundola 60 ans ya indépendance ya mboka ya biso. Maloba mayema tuta biso. Pamba te tolandaki mango malamu te. Bongo to senge nzambe apesa biso nguya to bongisa ezaleli na biso boba kongole boba kongolese. Mokonzi nzambe wa biso lokola sonzo ekangami na loposo la moto pe komele makila maye se bongo lisumu likote libiso pe libebi si bomo ibwa biso. Nani akobikisa biso bobele mwana wa yo, mokonzi wa biso Yesu Kristu. Mokonzi yoka biso mawa. Solo bato mingi omokili bayebi yo te bazali na bosembo te basusu bakolingana te kasi bakoyinana ezali bongo zambi mbala mingi tozalaki batemoin bayo basolo te olingaki te tozala bakongole opesi biso mboka kitoko kasi tosali na yango eloko te na esika ya kotombola yango tango mosusu biso moko tozali koboma yango na makanisi na biso ya mabe na misala ya biso ya mabe Kongo ekomi lelo boye ezali likambo na ngai pe nasali na yango nini Libanga nini na memi to libanga nini na longoli ote Kongo ekoya na mabe manso to sali mboka kitoko nzambe apesi biso to tozali kokoba kosala ya mabe po ya Kongo etombwa mate to senga bolimbisi epai ya nzambe ezali likambo ya moko moko wa biso Kula kisa moninga mosapite, kasi mitala yomoko, nini yo zaliko sala. Pona mboka oyu, ebenga midon beni. Liboso ya Yesu Kristu. Tosenga bolimbis. Kristu, yo kabiso mawa.
Omiso mangondomo Santo Maria, omiso maba Santo Banso, omiso maba Ndeko, tondi mateto salima be. Ya solo mokonzi Yesu, tokumisa kiyose na monoko. Tokumisa kiyose teto zaliba Kongole, kasi topesa kiyo mitema miabiso te obongo la yango. Olongo la yamabe o ezali ko kitisa Kongo. Opesa biso mitema ya kitoko oteton Kongo etombwama. Toye oboso bayo Yesu Kristo, petolobi, mokonzi, yoka biso mawa. Nzambe na bolingi boye bonene asali mboka Congo atondisi yango na mai fleuve Congo atondisi yango tala na balak tala ba rivière belé belé pote biso ba Congolais tozala ka salité te topetwa makana mai mai mabatisi mu maye makundole la biso te tokoma bato basika ya kala to bwaka ya sika to zwa. Enzambe wa bokasi bonso yingi sana mai mainguya ote peto la biso ekomisa biso bato basika. Kombo ya tata pe ya mwana pe limo santo. Thank you.
kosepela eyenga moko kokota na bozindo na yango kosala meditation ezali pe libaku ya kosenga bolimbisi tata mosantu yoka losambola biso longola mposa ya mabe o mitema ya biso po ya libonzali ya mwana wa yo Yesu Kristu limbisa biso mabe tosali bwaka masumu mabiso mai bozindo obosa na mango libela pe otinda elimo santo azala o mitema ya biso tokobondela bongo po ya kombo ya Yesu Kristu ona mei mokonzi wa biso obileko biso seko tolingi kongo ezala ya boboto yango wana awa sikawa tokokabola na boboto coronavirus pe ye moye topesa na boboto ya maboko ezali te tokotala na se na elongi toningisi moto elembo te topesani boboto boboto yango euti awa na Saint Bernard awa na Paris ekoma ti na Congo Congo mobimbe tonda na boboto bisika biye bitumba ezali bisika biye bato bazali koyoka na te boboto bwa Yesu Kristu bokita wana bandeko sika wa totombela na boboto boboto ba mokonzi bozala na bino banso Oya bolingi Kristu botombela na boboto Nzambe wa biso apesi pe kongole moko moko boyambi pote na makambo manso azonge pai na ye aute pai na ye yango wana tokomi na tango ya losambo ya lisanga tobondeli Nzambe Merci Seigneur pour nous avoir créés congolais et congolaises Que notre pays soit un et indivisible avec ses 26 provinces. Équateur, Sud-Ubangi, Sud-Nord-Ubangi, Mongala, Bas-Ouélé, Haut-Ouélé, Ituri, Congo central, Kinshasa, Maïndombe, Kwilu, Kwango, Chuapa, Chopo, Sankuru, Kasai, Kasai oriental, Kasai central, Lomami, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Haut-Katanga, Lualaba, Olomani, Père, écoute la prière de tes fils et filles du Congo. Seigneur, écoute.
Asante Mungu kwa ajili ya nchi yetu, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Iwe siku zote udongo wa amani, magharibi, mashariki, kusini na kaskazini. Na kila mkongomani awe mwenye kutumikia kwa ajili ya amani katika Kongo nzima. Baba, sikia maombi ya watoto wako wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tanzambi Beto Kedodo Kirange Sambunantina Beto République démocratique ya Congo Ndeyo kuvanda kisika ya kisalu ya mbote Nampila nde bana ya Congo nyoso Kumona kiese na mbuma ya kisalu na bo Ye kutomisa makanda na bo yenti na beto mvimba Mfumu Widikila bisambu ya bana nange ya banketo tiye babakala Beto Samba kwa bantu bakane mwana onso wa Kongo kikajidi kabizini bubinasha nanku tikale bonso mujisanka mujitunga jabanka mbwa betu maweja wetu teleja jiji jabana bonso balumeni bakaji ba mukongo tulomba inzambi wa mujuru Tata, pote ba Congolais banson ba lingana, bongo banson elongo, toko totonga Congo ya sika, oyo eleki lisusu kitoko, pe bato baboya kosalela makambo manson ya mabe, nzambe tata, yoka losambo la bana bayo ba ekolo ya Congo. To sambela conscience que ce pays, la République démocratique du Congo, nous appartient et que nous avons le devoir impérieux
d'assurer sa grandeur. Tulingi Kongo ya Kitoko, Pia Makasi. Père, entends la prière de tes fils et filles du Congo. Du Congo nous appartient et que nous avons le devoir impérieux d'assurer sa grandeur. Tolingi, Congo ya Kitoko, Peya Makasi. Père, entends la prière de tes filles et fils du Congo. Sikawa moko moko asambela ose ya motema mwaye. Nous célébrons le 60e anniversaire de notre indépendance dans la méditation. Une occasion nous est donnée de voir le Congo profondément, de nous laisser interpeller, et seule la prière peut être notre expression. Ndeko anga epai ozali na makila ya Congo, kobanga te kosambela po na Congo. Tokufa babola te, nzoka nde Nzambe apesi biso mboka kitoko etondani na bomengo. Tobongola mitema kongole moko moko po te tolinga mboka ya biso, tolinga pe moninga wa biso kongole. Onzela ya bolingo wana awa tozali kosepela 60e anniversaire ya indépendance na biso, tolingi kokanisa bayeba kufa po na indépendance, les martyrs de l'indépendance, tokanisa bango na losambo. Tokanisa pe bayeba kufi pendant les 60 ans pour namité mama B ya biso moko ba congolais tangu to bomani tangu to yinani. Mikolomie coronavirus pe eyei COVID-19 et memi pe bandeko na biso ya Congo, awa na mboka France, tokanisa bango. Tobonza bango epai ya Nzambe, ye moko ayamba bango, pe apesa bango esika ya kimia.
Tobo sanakate, hymne national nabiso, nzembo ya lokum. Oyezali pelo sam, ezali kosenga kongole moko moko teleme. Ote otonga mboka kitoko. To fandate, to bomate, kasi to teleme. Ote to tonga Kongo, oyeleki sikawa. Onjela ya losambo na biso to kanisi pe papa Jean Soula oyazali na bokono loboko la Nzambe ezala na ye ndenge Yesu Kristo atelemisaki moto abuka na makolo ye pe akoka kozwa libike uti epai ya Yesu. Tosambeli bongo okombo ya Yesu Kristo onamei mokonzi wa biso obileko biso seko. Amen. Tofandi bandeko. Sikawa tokomi otango eye tobonzelaka Nzambe wa biso mabonza oyo tolengelaki oyo tochaki pembeni mpona Nzambe tango yango ekoki lokola mibeko ezali kosenga biso pote to tuta na kate tokosenga liboso na bandeko babali bakongolais bakotelemi pe bango bakoya kopesa mabonza bandeko ya protocole babanda kosalisa biso tozala na biso presete bakotelemisa range na range liboso liboso babali bakongolais rangé na rangé to pesi ya biso libonza pesi mana yango e kokombande bande ko basi ba congolaise ba koya ko pesa pe ya bango libonza nyoso esalema na kimia pe na esengo pamba te koral acheli biso nzembo o ezayi ko tinda biso to bonza na esengo nyoso ya motema. Nzambe oyo bino botie pona ye
kaka ndenge moko boya malembe malembe batwa protocole bakosali sabino pote boya ko bonza li bonza ya bino soki boye na nzela ya kati bozonga na nzela ya mopanzi pote botuta na te kuna bokozwa esika na bino koral nzembo pona ba mama. Thank you.
moto telema poya koya ko bonza mabonza to kongoli o maboko manganga nzambe na yango wana banso to yemba to bina poya kolakisa esengo ya 60 ans ya bosomi ya mboka ya biso to telema to yemba to bina. Thank you.
ndeko bo sambela mpote nzambe wa bokasi bonso andima libonza lya biso bonso. E mokonzi yamba makabo na sambo ya biso bana ba mboka Congo. Pesa bato bonso bakoliki ya na yo litomba na libonza lya mwana wa yo. Toko bondela bongo zambi ya Yesu Kristu ona mei mokonzi wa biso obileko biso seko. Mokonzi azala na bino. Ebongise bongo totondo yo botondi mikolo miso pe bisika binso wana mosala mwa biso pe libiki ya biso yo tata mosan nzambe wa bokasi bonso pe wa lobiko ebongi totondo yo po ya Kristu mokonzi wa biso na pasika ya ye asali likamwa solo tozalaki baungu baliwa pe balisumu. Abiangi bisoto sangana na ye, obomo ibu akembo. Asikoli biso, aponi biso, apesi biso kombo ya lokumu. Tozali ekolo esantu, ekolo ya banganga nzambe. Toko sakola mokili mobimba, misala minene osalaki. Olongoli biso molili, okotisi biso omwinda mwayo. Yango wana elongo na banjelu pe na basantu banso toko yembela nkembo ya yo pe toko loba ntango inso yo mosantu yo mosantu.
Komi Octango enene yambongwana. Komi bonza. Epa ya nzambe. To bonze la epe mitema miabiso. Yamabe ya longola. To bonza pe mboka ya biso Kongo. Eza la mboka ya boboto pe ya bosembo. Solo mokonzi, yo zali mosantu, yo lizibali ya bosantu bonso, yango ana toko bonde la yo, santisa mabonza maye, eli mosantu, akite la mango, makome la biso, nzoto, na makila, mamokonzi wa biso Yesu Kristi. Mokolo bakanga kiye, ami pesi, pe andimiko yo kampasi, akamati limpa, atondiyo, abuki liango, apesi baye kolibaye alobi, kamatani, bolia yango bino banso, eye ezali nzoto yangai, nakokaba yango po ya bino. Silisi bango kolia akamati mpenkeni atondio lisus apesi baye koliba ye alobi kamatani bomele yango bino banso eye ezali nkeni ya makila mangai makila mabondeko bwa sika pe bwa seko makoso panapo ya bino pepo ya bato banso natinate bozwa bolimbisi wa masu bosa la kaboye oya kokanisa ngai Oyambe bwa biso ba Kristo mobomba momonene Toko kanisa liwa, pese kwa ya mwana wa yo. Toko bonzela yo, lile ibiko pesa bomo ibualo biko. Toko tondo yo, zambio bengi biso awa po ya kokumisa yo. Toko bondela yo, ekokula biso nzoto na makila ma Kristu. Eli mosantu asangisa biso toko mase moto moko. Mokonzi, kanisa eklesia ya yo epalanga ni onse mobimba, okolisa bolingo bwa yo mitema miabana aba yo. Kanisa papa wabiso François, na episikopo wabiso Michel, na banganga nzambe banso, o kanisa pepa na banso ya mboka Congo. Mokonzi, o kanisa
kanisape bandeko babiso bawei. Lelo tozaliko kanisa bawei yamboka ya biso Congo. Baye bawa po na independance. Baye bawa po temboka na biso tombwama. Pe baye bawe na bokono ya COVID-19. Bazalaki nelike ya kosekwa okanisa baye banso batikinse eye oyamba bango mboka yo bamona elongi ya yo mokonzi okanisa banso toko bondela yo oyokela biso banso mawa oyamba biso bomoi bwa seko elongo na ngondo mo santu Maria moboti wa nzambe elongo na santu Yosefu molongani wa ye Elongo na bapostolo pe na basantu bayo banso bazalaka bandeko bayo awa onse bongo tokumisa pe tokembela yo na Yesu Kristu mwana wa yo wa bolingo mpo ya Kristu elongo na ye pe okombo ya ye tokopesa lokumu pe kembo na yo tata wa bokasi banso ozali na elimo santu nzambe moko Obile kobinso seko. Amen. Tosangani biso banso ba Congolais. Yesu Kristo apesi biso lo sambo kitoko. Oyezali kolakisa biso lisanga. Pambate tozali se na Nzambe moko. Lokola mobikisi atindi pe atei biso. Toko kikolo baboye. Ata. Sabiso mabe manso opesa mikolo mia biso boboto na lisali siliangolo ya yoto boya masumu seko pe makambo makwela biso te tozala na elike ya koyoka esengo yo lakelaki biso pe tomona mokolo Yesu Kristu mokonzi wa biso akozonga
Christu mwana wa Nzambe wa bomo na liwaya yo penangu ya elimo son opesaki bato bomo ilokola tata lingaki na nzoto ya yo pe na makila mayo obiki sabiso na masumu pe na mabe manso osali sabiso to bomba mitindo mia yo biso na yo to kabwana mokolo moko te. Esengo na bato mokonzi akobianga olipatili ya ye tala mwafata ya Nzambe tala oyo akolongola masumu mabato. Nzoto na makila ma Kristu mabatela biso po ya bomoi bwa lobiko. Bandeko tokomi otango ya kominyo kaka mibeko pe kaka tuwelela te tuya moke moke ndambo ndambo bandeko ya protocole bakobimisa range moko oya kulaka aye kokula nzoto ya Kristu oya kulaka te akoki pe koya kozwa bobelisi kati na biso. Soki tozali na bandeko tosangani na bango bo ba Congolais kasi bazali ba Catholique te bakoki kofanda na esika na bango. Thank you.
totikali kimia tango ya komedite ya kokota na bozindo Yesu Kristo mibonzi po ya biso bobilei bikopesa biso bomoi bozangi suka Yesu mibonzi po ya biso po ya kopesa biso makasi Maboko likolo bandeko to sambela mokonzi e mokonzi batela ekolo ya biso Congo tango inso lendisa biso na komini esantu to luka bolamu bwa ekolo ya biso Congo Tokanisa pe likolo mboka ya biso ya solo esika tokosangana banso pe tokofanda seko tokobondela bongo zambi ya Yesu Kristo ona mei mokonzi wa biso obileko biso seko Amen. Bandeko tofanda moi naino mwa moke likambo ya liboso tokosala Ndenge tolobaki dimanche passé biso tozali na poto awa kasi bandeko babiso basusu bazali na mboka Congo bongo tozwaki likanisi ya kosalisa boko bandeko na biso na libonzali ya biso tolobaki te awa tozali kosepela indépendance ya mboka ya biso tokosala deuxième quête pe deuxième quête yango Tokotinda yango na diocèse ya Uvira Mikolo mileki tomonaki lac Tanganyika ndenge tombokaki pe bambula ndenge ekitaki ebebisaki biloko ebele tata episkopo monseigneur Sébastien Muyengo atindaki mbela pote tosalisa biso tozali bana Congo Baye bazali kuna pe bazali bandeko babiso moye to sali sabato banso ezalite na nzela ya Caritas tokotinda mosolo kuna oyo biso tokozwa pote bandeko babiso bazali kuna po ba mosusu bazali kolala na ba salle de classe banda kuna bango ebukani pe bazali kolia malamu te sikawa Na motema molamu na biso ya bakongole tokotele mepe korale kotiela biso nzembo toye malembe malembe oyo alengeli likabo alingi kopesa motema pembe yaka nikobonza pona bandeko babiso Thank you.
Zambi moko songolwe yo yo kale ya kamubango yo yo Maria wakusenge mamo yo yo Maria, maman, Yezu, yo yo, Uji chibi chajulue, yo yo, Kale ya kamubango, yo yo. Jimamu waku sengelela. Maebisi ya omoneri, dimanche prochain, tokokuta na awabomo mesano, nangonga ya 15h, pe nangonga ya 14h30, tozali na losambo ya chapelet. Lokola makita naino mabandite tozalika kandenge wana pe tokozala te na congé ya été bongo na suka ya août tokopesa bino ba communiquer ndenge nini tokobanda année pastorale ya sika dimanche prochain lokola ezali premier dimanche du mois misana biso ekopesa biso libaku na suka ya kosa la adoration ya très saint sacrement sika wana lingi ko présenter bandeko baye bazali awa okati ya biso liboso penza chargé d'affaires son excellence Jacques Tambou Mikuma akoya kozwa maloba po ya remerciement je vous en prie. Merci beaucoup, mon père. Nous avons été édifiés par votre cérémonie de ce jour à l'occasion du 60e anniversaire de la République démocratique du Congo à la session de l'indépendance nationale et internationale. Avant tout, je souhaiterais présenter mes vœux les meilleurs au chef de l'État, son Excellence Monsieur Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Et que mes sentiments les plus différents lui soient souhaités un joyeux anniversaire d'indépendance. Mesdames et messieurs, comme M. l'abbé a dit, 1960, juin 1960 et 2020, 60 ans d'indépendance. Qu'avons fait nous de cette indépendance que nos pères ont voulu? Je crois que c'est un moment qu'il faut réfléchir. À cet effet, chacun de nous est appelé à mettre la pierre à l'édifice pour bâtir un Congo plus fort et plus prospère. Chères sœurs et frères, ce qui devait être une fête grandiose et étendue par les ravages qu'a fait et continue à faire cette pandémie appelée COVID-19. Et oui, cette triste réalité a emporté dans l'au-delà, nombreux de nos frères et sœurs en France et ailleurs.
ils sont partis, laissant derrière eux des familles, des amis, des collègues dans la tristesse et dans le désespoir. Que les familles endeuillées trouvent dans ces quelques mots l'expression de notre compassion entièrement partagée. En mémoire de tous ceux qui ont quitté, je vous exhorte de respecter les règles sanitaires en vigueur. Avec l'autorisation de l'aumônier célébrant du jour, je vous prie de vous lever et de respecter une minute de silence, s'il vous plaît. Je vous remercie. Je souhaite à tous, à toutes, une bonne fête de l'indépendance. Que Dieu vous bénisse et je vous remercie. Merci. Merci. Merci à vous aussi. Merci pour ces mots. Je voudrais maintenant inviter nos frères qui ne partagent pas la même foi que nous, mais qui sont présents là. Bandeko na biso, baeba sambelaka, et pas nous sous bazali ba catholique ite, baebi singaite pasteur Miangu Mas Azali, Ye Azali, secrétaire général régional de l'Église protestante de France, ce qui a zali tout à Télémi Peto Yambié. Voilà. Yéwana, Tobé Télé Maboko. Tosalipe Nandeko Abisso Congolais, Yassambelaka, l'Église Kimbanguiste, pasteur Joseph Mayunga, ce qui a zalipé à Télémi Toyambié. Azalité et c'est le côté. Merci Pena Bandeko Banso Baye Poto Sangana. Ce qui to Sangani Awa et Zalipe po Batata Episiko Ponabiso Baye Batinda Biso Awa Balinga Kite to Sangana. Yangwana pe Biso Awa Omoneri to Zalipe Monoko Yasenko Batata Episiko po Basali Déclaration. Namboka Kinshasa, pe nazali kosenga na nganga Nzambe atanga yango. Qui sème le vent récolte la tempête. Déclaration du comité permanent de la CENCO sur la situation tendue relative aux propositions des lois sur la réforme judiciaire et à la désignation des membres du bureau de la CENI. Nous, cardinal, archevêque, et évêque membre du comité permanent de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, en confinement à cause de COVID-19, sommes préoccupés par le climat sociopolitique qui prévaut actuellement à Kinshasa et dans d'autres villes de notre pays. Nous avons constaté que les propositions de loi sur la réforme judiciaire et l'absence d'un consensus des membres de la plateforme des confessions religieuses sur la désignation d'un candidat commun à la Commission électorale nationale indépendante, CENI, ont suscité de vifs mécontentements au sein des différentes couches de la population congolaise. C'est pourquoi percevons le risque du débordement de la violence et, fidèles à notre mission prophétique, nous avons décidé d'interpeller
nos compatriotes impliqués dans ces dossiers afin de garantir la paix civile. Tout en partageant le souci du peuple d'avoir des lois justes et des personnes idoines qui puissent contribuer au développement intégral de notre pays, nous condamnons toute forme de violence et recommandons à tous le recours aux moyens légaux et pacifiques pour exprimer leurs opinions. Nous sommes persuadés qu'un état de droit repose sur des principes démocratiques qui s'inspirent non seulement de la règle de la majorité, mais aussi de la reconnaissance des valeurs morales fondamentales respectueuses de la dignité humaine, de la vie et des droits intangibles et inaliénables de chaque homme. La loi de la majorité n'est pas nécessairement synonyme de vérité ou de raison, ni garantie de cohésion sociale. Une majorité parlementaire, si légale soit-elle, perd sa légitimité quand elle est déconnectée des intérêts et du bien-être du peuple. En plus, il est inadmissible que les lois soient taillées sur mesure selon les ambitions des leaders politiques, partis ou plateformes politiques, ou que certains de nos compatriotes montent des stratégies pour vider les institutions d'appui à la démocratie de leur indépendance fondée sur la Constitution afin de les inféoder à leur dictat. Ces agissements ne contribuent qu'à la destruction de la cohésion nationale et à la déstabilisation des institutions étatiques. Il est clair que si l'on y prend garde, les propositions de loi sous examen à l'Assemblée nationale porteront atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire, l'une des options fondamentales que notre Constitution du 16 février 2006 a érigée en disposition intangible dans son article 220. Ils ont cité la SENCO, la justice grandit une nation, le 10 juillet 2009. Il en est de même de la désignation des candidats membres du Bureau national de la CENI. Nous dénonçons la tentative des politiques de vouloir faire main basse sur cette institution d'appui à la démocratie. Les Congolais gardent encore frais à l'esprit la gestion chaotique des élections de 2018. Beaucoup ont même perdu la confiance en notre système électoral. C'est donc une nécessité de rassurer les futurs électeurs de 2023 que les choses ne seront plus comme avant. Pour y parvenir, nous pensons qu'il faudrait préalablement réformer par consensus le système électoral de la République démocratique du Congo, particulièrement la loi électorale et celle portant organisation et fonctionnement de la CENI d'une part, et éviter d'aligner dans le bureau de la CENI les personnes qui, bien qu'expertes et en matière électorale, ont déjà trempé dans les manipulations électorales d'autre part.
Nous exhortons le bureau de l'Assemblée nationale à user de la voie de la sagesse et à sursoir l'examen des projets de loi contestés. En ce qui concerne les candidats animateurs de la CENI, nous demandons qu'il y ait au préalable la réforme de cette institution vitale pour un avenir heureux de notre pays. Chercher à faire passer l'examen de ces questions par des coups de force risquerait de plonger le pays dans le chaos. À l'aube du 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays, il s'est d'écouter le prophète Osée qui nous dit « Il sème le vent, il récolte la tempête. » Osée 8, 7. Les voix qui s'élèvent pour protester contre les manipulations politiciennes dans les processus de désignation des membres du bureau de la CENI et contre les propositions de loi sur la réforme judiciaire indiquent que le peuple congolais a faim de la justice et de la paix. Le bien-être du peuple congolais doit être le souci primordial de tout parti ou plateforme politique. Pendant que le pays est en état d'urgence sanitaire, les dirigeants feraient mieux de chercher comment protéger la population contre les conséquences du COVID-19 plutôt que de se concentrer pour monter des stratégies de positionnement politique. Que par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, Reine de la paix et Notre-Dame de la sagesse, le Seigneur Dieu de l'univers illumine nos cœurs et bénisse notre pays. Fait à Kinshasa le 27 juin 2020. Archevêques et évêques membres du comité permanent de la CENCO. Je les cite, ils ont signé Ses Excellences, mes seigneurs, Marcel Otembi, Fridolin Ambongo, Jean-Pierre Tafunga, Marcel Madila, François-Xavier Maroy, Ernest Goko, Nestor Ngoï, Fidèle Ntielele, Nicolas Jomo, Dominique Boulamatari, Gaston Rouvezi, Dieudonné Ouringui, Fulgence Mouteba, Pierre-Célestin Chitoko, Philibert Tembo, Oscar Ngoï, Willy Ngumbi, José Moko, Sébastien Muyengo et Félicien Mwanama. Je vous remercie. Toyoki wana maloba ya batata episkopo ya mboka na biso Congo. Sikawa naza kosenge bino tozonga marche en arrière tokende il y a 60 ans mukolo yango na palais de la nation makambo nini elekaki na mwatango toyoka eteni ya lisikulu ya roi Baudouin oya zaki roi de Belge mokolo yango tangu ayaki na Congo kopesa indépendance simana yango tokoyoka Joseph Kasavubu mingi baebi mungongo na ete tokoyoka yango yende premier président ya mboka na biso simana ye tokoyoka
Lumumba Emery Patrice, ye azalaki pe premier ministre ya mboka na biso. Un peu d'histoire à l'occasion de 60 ans de notre indépendance. Toyo ka kalite ekobima ndenge zalika kandenge wana. Tobandi na discours ya roi Baudouin, le roi de Belge. Le 30 juin 1960. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. Lorsque Léopold II a entrepris la grande œuvre qui trouve aujourd'hui son couronnement, il ne s'est pas présenté à vous en conquérant, mais en civilisateur. C'est à vous, messieurs, qu'il appartient maintenant de démontrer que nous avons eu raison de vous faire confiance. Ne compromettez pas l'avenir par des réformes hâtives et ne remplacez pas les organismes que vous remet la Belgique tant que vous n'êtes pas certain de pouvoir faire mieux. Messieurs, le monde entier a les yeux fixés sur vous. Que Dieu protège le Congo. Voilà, voilà Toyoki, roi Baudouin, roi Yaba Belge, le 30 juin à Yé. Chikawa, Toyoka, le premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu. Excellence, mes chers compatriotes, au moment solennel où la République du Congo se présente au monde et à l'histoire pleinement indépendante, nous ne pouvons pas nous empêcher de mesurer la gravité de nos responsabilités et, dans une attitude de profonde humilité, de demander à Dieu qu'il protège notre peuple. Et qu'il éclaire tous ses dirigeants. Voilà, discours ya Joseph Kasavubu, premier président, Simana Yango, Emery Patrice Lumumba, Ayaki Pekozwa Maloba, Toyo Kaye. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue. Au nom du gouvernement congolais, à vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami, avec qui nous traitons d'égal à égal, ni les Congolais du de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'il a été conquise. Une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons mélangé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Cette lutte qui fit de là des feux et des sang, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une lutte noble et juste, une lutte indispensable pour mettre fin à l'humilié esclavage qui nous était imposé par la force. Toyokiwana, Emery Patrice Lumumba,
Yepe premier ministre Yambo Kanabiso. Nasuka wana ba déclaraki indépendance Yamboka pe Congo Mobimba et sepelaki pe na banzembo oyemba maki nzembo moko etikala na histoire lelo 60 ans après tokoki koyoka pe eteni ya nzembo ngo. Après Tokanisi Yango, on ne change pas l'histoire. Bongo, Yamboteto Kabwana, Tozo Bobenisi, Toebate, Sango Boka, a composé Kipei Elongona, Lutumba, hymne national Nabiso, et Zalakana Maluba, Yatina po Nabiso ba Congolais, Yatina Penza. Je demande Naba Nabaya. Bakotombola nini na biso ya 60 ans pe biso banso na feuille oyo ba pesa ki biso hymne national ezali soki biso banso tokoki kotelema toyemba imne na biso nzembo oyo esangisaka biso banso ba Congolais. Debo Congolais, il n'y parle fort, il n'y parle fort pour l'indépendance. Paix citoyens, entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de notre souveraineté, Congo, don béni, les aïeux au pays. Bien-aimés, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. En déjoint, tout soleil, en déjoint, jour sacré, sois les témoins, jour sacré de l'immortel, c'est mort de Bobeni Sisikawa Mokonzi Azala Nabino Azala Nabino
Ndenge toyembi na hymne national tangu tokobima tobima na limemia to tutana te tobosa na mibeko te COVID-19 ezali naino pe tokozala na biso na libanda wana tangu bakompoza ki hymne national balobaki doux soleil soki pe bobimi wana botyaka loboko boye doux soleil donc eza kokontinue kaka to savourer soleil. Nzambe wa bokasi bonso abenisa bino tata mwana na elimo santo misa esili bokende na boboroto kwa elamu na mabota mabino banso. Oh, Nzambi semo Mutayimbi lange nzila ya vunu Mutayimbi lange Emanuele Et à deux, oui, je suis à la soupe.
Notre pays soit plus beau, prospère, comme dit l'hymne national. Nous avons des potentialités qui sont là. Nous avons les ressources humaines. Qu'est-ce qui manque à notre pays pour que nous soyons un pays développé comme tout autre qui n'ont pas, et d'autres n'ont même pas des richesses que nous avons, des facilités que nous avons, des ressources humaines. Je crois que finalement, notre pays va se développer un jour, va décoller comme ont espéré les pères de la nation, les pères de l'indépendance. Je vous remercie. Je remercie toute la communauté congolaise de Paris, catholique et autres qui sont venus ici dans cette église rendre un hommage à notre pays, la RDC, notre beau pays, notre cher beau pays. Et comme j'ai dit dans mon monde de circonstances tout à l'heure, nous n'avons pas oublié nos êtres chers qui nous ont quittés. À cette pandémie qui a décimé la communauté congolaise. Je sais de quoi je parle, parce que nous, qui sommes à l'ambassade, nous avons reçu des actes de décès, nombreux de Congolais. Ça, c'est le nom des Congolais, des gens qui avaient encore la nationalité congolaise. Et d'autres qui n'ont plus la nationalité congolaise, on les a pas eu leurs actes. Mais ils sont nombreux qui nous ont quittés. C'est pour ça que j'exhorte mes frères et sœurs de la diaspora, ici en France, ici à Paris, de respecter les mesures sanitaires édictées par les autorités. Parce que c'est essentiel pour notre survie et notre respect. Parce que beaucoup sont partis et beaucoup n'ont pas eu l'opportunité, la chance de dire au revoir à leur famille, à leurs amis, à leurs parents. Donc je vous exhorte à respecter les mesures sanitaires qui sont dictées par les autorités françaises. Excellence, on est arrivé à la terme de cette Eucharistie célébrée pour les 60 ans d'anniversaire de notre pays. Et soudain, votre présence y est. Vous êtes là pour
renforcer les liens de l'État et l'Église, ou quelle est la lecture faite par votre présence dans cette célébration eucharistique? Ma présence n'est pas symbolique. Nous représentons l'État congolais, nous représentons les chefs de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi de Tshilombo. Donc c'était de notre devoir, premièrement, d'y être. Deuxièmement, en tant que chrétiens, nous devons participer à ce culte parce que nous sommes tous issus du catholicisme, enfants de Dieu. Donc c'est une présence qui a été nécessaire par notre foi à nous-mêmes d'abord et en tant qu'autorité de l'ambassade, c'était même nécessaire de venir rencontrer la communauté, de rencontrer nos frères et sœurs qui sont ici, qui sont, je sais, beaucoup ont des problèmes, beaucoup ont eu des deuils, beaucoup ont eu des soucis, mais je crois qu'au fur et à mesure, nous allons commencer à nous ouvrir à de plus de manifestations organisées par la communauté congolaise. Merci, M. Mayor, pour les catholiques, pour les Congolais, Je suis un peu plus de catholique. Après, Bobota Manabiso, tu as baptisé catholique. Bon, Mingi Bazu Banzela Moussousou, Mingi Batika Liba catholique. Mais base même de la croyance même de la RDC, de notre pays, c'est le catholicisme. Apporté par justement les colons belges que nous avons pu, je dirais entre guillemets, chasser le 30 juin 1960. 30 ans après, nous devons penser à notre pays et à développer notre pays. Excellence, moi j'ai une question de curiosité. Oui, 60 ans après, je ne sais pas, en ce temps-là, le 30 juin 1960, où étiez-vous? Comment vous l'avez vécu cette date? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Malheureusement, je n'étais pas encore né. Je suis né 3 ans après. D'accord. Voilà, je ne suis pas 3 ans après. Pas de soucis. Mais historiquement, ça représente beaucoup parce que dans les livres d'histoire, dans le cours d'histoire, nous avons eu la connaissance. Aujourd'hui, on parle de la colonisation belge, ce que la colonisation belge a fait, les méfaits, les mains coupées. Donc tout ça, ce sont des faits d'histoire que nous connaissons, que nous devons intégrer dans notre culture, dans notre pensée, dans notre histoire. Donc ce ne sont pas des faits que nous devons négliger. Voyez? Donc même si à l'indépendance, on n'était pas encore là, mais on a intégré l'indépendance, le vœu de nos pères de l'indépendance, de développer ce pays, de faire un pays plus beau qu'avant. Donc c'est notre devoir, nous, vous, comme nous, et comme nos enfants qui vont nous suivre, Seigneur, c'est un devoir qu'ils doivent le faire. Car Seigneur, car sans ce développement, nous ne pouvons pas avancer. Vous voyez, le monde évolue, le monde se développe, le monde s'épanouit, et nous ne sommes pas moins intelligents, moins travailleurs que les autres. Nous avons beaucoup d'intellectuels. Nous avons ici en France, nous avons des médecins, nous avons des professeurs, nous avons des universitaires, des chercheurs. Et qu'est-ce qui manque au Congo? Qu'est-ce qui manque? Rien du tout. Donc, il manque seulement peut-être question de volonté d'organisation. Exactement. Merci. Nous vous remercions beaucoup, Excellence, et bonne fête. Merci beaucoup à vous également. Merci. Merci. La télévision catholique, qui viendra vous visiter dans vos battements. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci. Votre Excellence, voilà l'ambiance contenant de nos vies. Merci. C'est parce qu'elles ont leur micro et nous on n'en a pas pour le son. Et puis bon, c'est pas la même question. Bon, ok. Merci.
Merci beaucoup, Son Excellence, pour nous avoir accordé cette interview. Sur compte de B1 TV. Sur compte de B1 TV. Alors, quelles sont vos impressions à la fin de cette cérémonie? Mes impressions, comme l'a dit l'aumônier des prêtres tout à l'heure, ce sont que nous avons un pays qui a eu son indépendance il y a 30 ans, 60 ans. Qu'avez-vous fait de cette indépendance pendant ces 60 ans? Qu'avez-vous fait? Qu'est-ce que nous avons fait comme travail? Qu'est-ce que nous avons fait comme tenu comme promesse faite au père de l'indépendance en 1960? Je crois que nous devons intérioriser toutes ces questions-là pour qu'à ce moment, nous devons nous mettre au travail, développer notre pays, que ce soit un pays beaucoup plus prospère, comme dit l'hymne national. Nous espérons que dans les années à venir, et même très proches, que le pays va décoller, finalement pour atteindre un développement où tout fils et fille de ce pays aura sa place dans ce développement. Et bien sûr, nous avons parlé également, pensé à nos frères et sœurs de la diaspora, particulièrement de la France, qu'ils ont quitté durant cette crise de pandémie de Covid-19. Je crois que beaucoup, beaucoup sont partis, sans même parfois dire un dernier adieu à leurs proches, parce qu'emportés dans des conditions que vous, sanitaires que vous savez. C'est pour ça que j'exhorte tous nos compatriotes à respecter les mesures sanitaires qui sont indiquées par les autorités françaises. Alors, quel était l'intérêt pour vous, surtout l'ambassade, d'organiser ces messes écuméniques? Nous, ambassade, nous sommes là pour représenter le pays, pour encadrer la communauté congolaise, que ce soit dans leurs diverses démarches, que ce soit dans leurs préoccupations. Parce que l'ambassade n'est pas là rien que pour faire certains documents, mais certaines choses que nous devons faire ensemble avec la communauté de plus en plus. Mais il faudra que la communauté congolaise en elle-même soit soudée pour que nous puissions faire des choses beaucoup plus grandioses. C'est exactement comme ce qui se passe au pays. Il faut une certaine solidarité pour que le pays se développe, pour que le pays aille de l'avant. Alors, juste une autre question. Maintenant, pendant ces temps de Covid, avec toutes ces mesures de précaution, comment fonctionne l'ambassade maintenant pour ceux qui veulent venir ou qui veulent refaire leurs documents? Bon, l'ambassade est toujours ouverte. Elle fonctionne selon les prescrits sanitaires dictés, comme j'ai dit, par les autorités françaises. Port de masque obligatoire, lavage de mains, distanciation sociale. Donc nous ne sommes pas exempts des dispositions qu'ils ont prises par les autorités françaises au niveau sanitaire. Et nous accueillons les compatriotes qui ont des démarches à faire, que ce soit des attestations, des passeports, tout ça, nous les accueillons. Donc nous sommes ouverts pour toute démarche. Alors quel est le message que vous adressez à la communauté congolaise, surtout ici en France, où vous êtes les responsables de cette communauté? Je leur demande un peu de l'ordre. Parce qu'il ne faudrait pas que nous, Congolais, nous soyons considérés comme des gens qui sont désordonnés. Parce que vous voyez, beaucoup ont quitté, nous ont quitté à cause du Covid, soit par manque de respect, par manque de respect des consignes qui sont données, par manque de respect de certaines dispositions. Donc nous nous demandons d'être Congolais, d'être un Congolais, fier d'être Congolais, pour que nous puissions se tenir debout devant d'autres pays africains qui sont représentés ici en France et particulièrement à Paris. Donc nous ne sommes pas exempts, nous ne sommes pas exceptionnels pour que nous soyons considérés comme des personnes qui sont, entre guillemets, qui ne sont pas aussi sérieux. Donc je crois que nous sommes des Congolais, nous devons être fiers de notre pays et le montrer et être fiers. Beaucoup de Congolais, comme je disais, sont des médecins ici, des ingénieurs. Dans tous les domaines de technologie, il y a beaucoup de Congolais. Pourquoi cela ne rentrerait-il pas au pays pour développer notre pays, pour participer à l'essor de notre pays? Merci beaucoup, Son Excellence. Merci. Je vais juste profiter. Je vous libère. Est-ce que vous pouvez...
pouvez pas me donner pour moi une interview, un entretien avec vous pour que c'est un bon sens la situation au niveau de... Non, mais il faut préparer un dossier comme ça, vous m'envoyez, moi j'ai lu. J'ai déjà envoyé deux dossiers comme ça. Parce qu'on m'avait demandé de le donner au niveau de la secrétaire. J'ai déjà envoyé deux dossiers comme ça, mais j'ai toujours pas eu. Je n'ai pas eu, peut-être c'est déjà orienté au niveau du ministère. C'est Chimbapoum qui me donne les éléments. Et comment je peux faire pour que ça vous arrive directement? Et puis bon, je vous enverrai des questionnaires et puis les matières qu'on va discuter. Vous mettez une enveloppe à l'intention des chargés d'affaires Tambou. Là, le secrétaire n'ouvre même pas. Donc moi, je le fais dès demain. Ok, ça va. Comme ça, j'attends. Okay. D'accord. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.